Comment utiliser LinkedIn en 2024? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les nouvelles tendances sur LinkedIn. LinkedIn ne fonctionne plus exactement comme il y a de cela 2 ans, il y a de cela ne serait-ce que 1 an. Vous savez, aujourd'hui avec LinkedIn, c'est complètement différent. C'est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Aujourd'hui, pour avoir des clients sur LinkedIn, il faut être très professionnel dès le début. Il faut avoir les bonnes informations, il faut aller droit au but, surtout quand on est en direct message. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les astuces qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser pour très rapidement survoler LinkedIn en 2024. Alors, première chose, je vais pas forcément revenir là-dessus, c'est au niveau de l'optimisation du profil. Si vous visitez par exemple moi mon profil, très rapidement, je vous donne peut-être le lien en description. Visitez le lien en description. Vous devez pouvoir très rapidement passer l'étape en fait de l'optimisation du profil. D'accord? C'est la base de la base de la base de la base. Si vous n'arrivez pas déjà à avoir vous-même un profil vendeur, d'accord, ça va être très compliqué pour vous de passer l'étape en fait. Donc c'est très important déjà dès le début d'avoir un profil professionnel. Donc je vais pas forcément revenir sur l'aspect profil parce que j'ai pas forcément envie de m'éterniser là-dessus. D'accord, il faut avoir une photo de couverture qui décrit déjà ce que vous faites comme activité et ensuite une photo professionnelle, une description claire, des liens pour rediriger, les services que vous maîtrisez, etc., etc. You know, moi, vous voyez un tout petit peu mes contenus, etc., etc. Tout est organisé avec mon expérience, etc., etc. Mes expériences, mes certificats, etc., etc. Bref, très important dès le début d'avoir un profil professionnel. Mais vous vous en doutez bien, dans cette vidéo, je ne suis pas venu pour vous parler uniquement du profil. Je suis venu pour tout simplement vous révéler les nouvelles stratégies pour avoir des clients sur LinkedIn en 2024. La première stratégie, outre le fait d'avoir un profil vendeur, le fait d'avoir un profil professionnel, c'est premièrement d'utiliser un outil de prospection. Je vois beaucoup qui sont tout le temps aujourd'hui encore à écrire des messages tout le temps, tous les jours, à envoyer 500 messages, 500 personnes et ne avoir finalement pas un grand nombre de taux d'ouverture ou même quand vous avez des taux d'ouverture élevés, personne ne vous répond. C'est normal parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce que quelqu'un le prospecte. C'est absolument normal. Moi, tous les jours, il y a des gens qui m'écrivent en direct message pour me dire « Ah, Junior, je propose ci, je propose ça, je propose ci, je propose ça. » Vous savez, quand c'est comme ça, c'est très, très compliqué, d'accord, dès le début de se différencier de la masse. C'est pourquoi il faut avoir des outils de prospection, d'accord? Des outils de prospection. Et moi, l'outil que j'utilise, tel que vous avez certainement pu le constater, c'est Wallaxy. Quand vous allez tout simplement sur Google et vous tapez Wallaxy. Vous tapez Wallaxy, vous tombez sur le site ap.wallaxy.com. C'est un outil gratuit, bien que ça ait des versions payantes. Parce que tous les outils ont quand même aussi leur version payante. Donc, vous allez tout simplement télécharger l'extension Wallaxy. Et quand vous allez télécharger l'extension Wallaxy, vous devez déjà être connecté à votre compte LinkedIn. D'accord? Vous devez déjà être connecté à votre compte LinkedIn. Et vous allez télécharger Wallaxy. C'est juste une extension. C'est rien de compliqué. Et par la suite, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste, quand vous allez vouloir faire votre prospection, je suppose que moi, je prospecte les coachs. Je vais juste mettre ici coach. Vous allez voir juste un exemple simple, pas très réfléchi. Juste pour vous montrer, quand vous allez vous inscrire sur Wallaxy et avoir votre compte, vous aurez un dashboard personnalisé. Ce dashboard va vous permettre en fait de créer des listes pour vous permettre en fait d'importer des profils donnés. Je vous donne un exemple. J'ai tapé coach, n'est-ce pas? Je vais mettre ici, je vais filtrer un peu. Je veux pas des pages, je veux rien que des personnes. Et je veux des personnes qui sont, moi mes recherches récentes là, United Kingdom, je cible beaucoup ce. Je cible beaucoup cette ville là. Moi je vais choisir Paris. Je choisis Paris, la ville de Paris, et je vais affiner les résultats. Je veux juste des coachs qui sont à Paris. Et là, ça me filtre, d'accord? Ça me filtre les résultats. Regardez automatiquement, d'accord? Au lieu ici de me mettre à envoyer un message à chacun, envoyer un message à chacun, envoyer un message à chacun, qu'est-ce que je peux faire? Avec l'extension Wallaxy, vous savez, j'ai un compte ici que j'ai directement, un compte de prospection, on appelle ça un compte de prospection, en fait, qui me permet de cataloguer des listes de prospects. Donc, vous voyez cette recherche, par exemple, la recherche coach, je peux l'attribuer à la liste prospect coach. Vous voyez? Parce que c'est pas forcément dit que vous allez prospecter forcément les mêmes personnes tous les jours. Donc, si par exemple, aujourd'hui, ce sont les coachs qui constituent moi ma liste de prospects. Ici, au niveau de liste, je vais juste cliquer sur créer. Je vais me nommer ma liste. Par exemple, d'accord? Je nomme ma liste coach et je clique sur créer. Là, ça va me créer une liste coach et je vais importer 1000 profils d'ici. Vous savez que si je dois me mettre à écrire à chacun individuellement, ça va être très difficile pour moi d'atteindre les 1000 personnes et d'écrire à 1000 personnes. Alors que dans le principe de la prospection, plus vous contactez de personnes, plus vous avez des chances de très rapidement vendre vos produits services. D'accord? Bon, si vous contactez correctement, parce que le tout ne suffit pas de contacter les gens et de les spammer. Mais si vous faites une bonne prospection,
vous faites une bonne prise de contact, je vais dire, si vous faites une bonne prise de contact, alors vous avez plus de chances avec beaucoup plus de personnes. Donc à partir de 1000, vous avez quand même pas mal de choses quand même. Donc du coup, automatiquement ici, vous cliquez sur valider et ça va se mettre à vous importer vos prospects directement dans Wallaxy depuis votre dashboard. Donc vous allez tout simplement cliquer ici, par exemple, je vais cliquer sur ouvrir Wallaxy. Donc quand je clique sur ouvrir Wallaxy, vous allez voir tout de suite que je serai connecté à mon dashboard Wallaxy. D'accord? Normalement, vous devez être connecté à votre dashboard Wallaxy. Soit vous cliquez sur installer la dernière version de Wallaxy. Donc moi, je ne vais pas le faire juste pour vous montrer. Mais vous, ici, vous allez juste cliquer sur installer la dernière version de Wallaxy et vous allez pouvoir avoir accès à votre dashboard. Ici, vous voyez que c'est à 1%. Donc ça va m'importer 1000 contacts coach. Et à ces 1000 contacts-là, je vais envoyer un message ou des messages personnalisés groupés. Ça veut dire quoi? Si le coach s'appelle par exemple Émeric, je vais faire un message groupé personnalisé. Cela veut dire que je personnalise avec le prénom de la personne. Donc, si c'est Émeric, lui, il va voir par exemple « Hello Émeric, j'espère que vous allez bien ». Ou si c'est Damien, il va voir « Hello Damien, j'espère que tu vas bien ». Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, avec Wallaxy, je personnalise très rapidement et très facilement mon message, mon premier message avec les gens. Donc, premièrement, j'ai la possibilité de contacter beaucoup de personnes avec Wallaxy. Secondo, j'ai la possibilité de contacter beaucoup de personnes, mais de façon personnalisée. L'ennui avec les messages groupés avec les autres logiciels, c'est que on est obligé d'envoyer des messages non personnalisés. Ça veut dire qu'on ne met pas de prénom de quelqu'un parce qu'on veut envoyer le même message à beaucoup de personnes. Alors que ici, c'est très bien possible de personnaliser avec tout simplement le prénom ou le nom du prospect, tout en étant toujours dans un message groupé. Un peu comme ce qu'on fait quand on veut envoyer un mail depuis system.io, donc un mail personnalisé où directement on peut mettre une variable first name ou bien etc., etc. Ou on peut directement insérer une variable first name et tout simplement envoyer un message groupé à plusieurs personnes et chacun reçoit avec son nom personnalisé. C'est un peu pareil ici. C'est bien possible d'envoyer un message groupé ou des messages groupés, d'accord, directement à un groupe de personnes, à un groupe, à une liste de prospects directement et de pouvoir personnaliser chaque message de façon groupée. Ça nous fait gagner un temps fou. Imaginez que vous écrivez un message de prospection à 1000 personnes, mais le message est personnalisé très rapidement au niveau de chaque destinataire. C'est juste incroyable. Donc, c'est très important. Donc, Wallaxy est un outil très intéressant. Certes, ça peut prendre un peu de temps au niveau de l'importation des prospects. Là, on est à 8% depuis, donc 90 sur 1000. Parce que n'oublions pas qu'on veut importer 1000. Donc, c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui, vous pouvez faire de la prospection sur LinkedIn et avoir des clients. C'est très important déjà. C'est pourquoi je vous ai dit au début d'avoir un profil très, très optimisé. Quand vous avez un profil optimisé, quand vous écrivez aux gens, la première chose qu'ils font, en fait, c'est d'abord d'aller visiter votre profil et de voir ce que vous partagez et qui vous êtes en réalité. Qui est-ce qu'il est pour m'écrire? C'est un peu ça. Donc, vous optimisez d'abord votre profil et ensuite, vous allez directement à la prospection avec un outil comme Wallaxy. C'est gratuit, mais vous pouvez avoir d'autres versions payantes également. C'est aussi simple que ça. Vous êtes débutant en ligne, vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. Laissez-moi vous dire que j'ai élaboré pour vous plusieurs vidéos de formation, notamment dans mon programme d'accompagnement et de formation dénommé e-commerce marketing. Surtout si vous vendez des produits et services et que vous n'arrivez pas à écouler vos produits, vous n'arrivez pas à vendre vos produits, alors j'ai élaboré pour vous un programme complet qui vous permettra en fait de vendre vos produits très facilement grâce à un programme e-commerce marketing. Au-delà de mon programme e-commerce marketing, j'ai élaboré pour vous également plusieurs vidéos de formation sur le SMMA, le Social Media Marketing Agency, dont je partage énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même pour vous permettre en fait de trouver vos premiers clients dans le SMMA, vous permettre également de rapidement trouver des clients en ligne, peu importe votre secteur d'activité. Également, si vous avez envie de maîtriser la publicité sur Facebook de fond en comble, si vous avez envie de devenir un véritable expert dans le lancement de publicité, de campagne publicitaire Facebook Ads 2.0, intégrez également mon programme de formation sur Facebook Ads, donc plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même. Si vous voulez devenir un véritable community manager, pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous avez eu l'habitude de suivre mes formations gratuites, vous savez que je partage énormément de valeur gratuitement déjà. Donc imaginez mon programme de formation sur le community management. Vous allez pouvoir gérer les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise. Au-delà de ça, si vous voulez devenir un véritable funnel builder et créer un véritable tunnel de vente, vous savez que la compétence de funnel builder est l'une des compétences les plus vendues dans le SMA. Donc vous devenez un funnel builder, donc un créateur de tunnel de vente 2.0 avec mon programme funnel building 2.0. si vous avez envie d'intégrer ce programme pour créer de véritables tunnels de vente, le lien en description, vous allez pouvoir intégrer mon programme de formation. Donc pour résumer, vous pouvez tout simplement intégrer mes 5 programmes.
de formation SMMA pour tout simplement développer votre agence de SMMA, funnel building pour maîtriser le funnel building de A jusqu'à Z, community management afin de devenir un véritable community manager, Facebook Ads pour maîtriser le lancement des publicités sur Facebook, et en dernier lieu, mon programme e-commerce marketing pour tous les e-commerçants qui ont des boutiques en ligne ou pas, qui veulent se lancer dans le e-commerce et trouver des clients en ligne directement. Mon programme e-commerce marketing 2.0. Alors, j'ai élaboré pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente, que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books-là. Alors, cliquez sur le lien juste dans la description pour intégrer l'un de ces 5 programmes de formation ou alors directement pour prendre contact avec moi. So, let's go, à tout de suite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de vous abonner, de me lâcher un gros pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao, bye.